Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec l'équipe du vendredi. Salut à tous les cinq. Marion, votre choix de l'actu du jour. Un fait divers tragique qui tient en émoi les Français depuis près de 10 mois. L'affaire Jubillar. Mohamed, votre story du jour. L'histoire de Mariam, elle a porté le voile pendant 18 ans. Elle a décidé de le retirer. Elle s'explique ce soir. Pierre, dans votre œil ce soir. J'irai vous présenter un chanteur yéyé qui était parti de la fameuse photo de Salut les copains. Celui-là vous offrira un verre de whisky. Monty. Oui. Pierre, Patrick, votre édito du jour. Un crime d'État vieux de 60 ans que la République s'apprête enfin à assumer. Et Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir. J'allais le redemander à Pérou, Mohamed. Le Pérou champion du monde de ballon de baudruche. Oh. À la pointe de l'octu. Ah, il y a de l'info. La France était représentée ou c'est nous qui la représentons ce L'Allemagne soir? L'Allemagne a perdu en finale et représentons-la. Oui, allons-y. Ah, ok. Championnat du monde de ballon de baudruche ce soir dans C'est à vous. Autant de sujets que l'on soumet à nos invités autour du dîner préparé ce soir par Chiznan. Bonsoir Chiznan. Bonsoir. Bienvenue dans les cuisines de C'est à vous. Vous êtes autrice du livre Bienvenue à la Cantoche, K-A-N-T-O-C-H-E. Et ce soir, vous nous proposez une papillote de poisson. Exactement. Mokpa. C'est ça. Alors le mokpa, c'est une spécialité laotienne. Donc le mok veut dire papillote et pas le poisson. Merci beaucoup. À tout à l'heure, chère Chiznan. Et on adore votre pseudo de cuisinière. Mais d'abord, avant toute chose, l'édito de Patrick Cohen. Demain, samedi, Emmanuel Macron sera le premier président français à commémorer 60 ans après le massacre de dizaines de manifestants d'origine algérienne le 17 octobre 1961. Oui, des massacres de civils, il y en a eu beaucoup durant la guerre d'Algérie, mais ce 17 octobre, c'est particulier. Une répression sanglante en plein Paris, jusque sur les grands boulevards. Des policiers qui ouvrent le feu, qui matraquent ou balancent dans la Seine des manifestants désarmés. Un crime d'État, disent les historiens, parce qu'il a été ordonné, couvert, puis camouflé par les plus hautes autorités du pays. Du préfet de police Maurice Papon à De Gaulle, au général De Gaulle. Quel était le contexte ? Celui d'une guerre d'indépendance qui touche à sa fin, dont l'issue ne fait guère de doute, puisque De Gaulle a choisi l'autodétermination et négocie la paix. Mais les activistes pro-Algérie française de l'OAS multiplient les attentats, le FLN algérien également, y compris en métropole. Des commissariats sont mitraillés lors des obsèques d'un policier. Maurice Papon lâche devant ses troupes « Pour un coup reçu, nous en porterons 10 ». Au même moment, il impose un couvre-feu de 20h à 5h du matin aux musulmans d'Algérie. Et c'est pour protester contre cette mesure que la Fédération FLN de France appelle à manifester. 20, 30 000 Algériens peut-être sortent de leur ghetto. La plupart sont alors parqués dans des bidonvilles à Nanterre ou Gennevilliers. Quand ils débarquent dans la capitale, une armada les attend. Des policiers partout, fusils, mitrailleurs à la main. Ils tirent sur la foule qui s'engage sur le pont de Neuilly. Des cadavres gisent devant le Grand Rex. Notre invité Jean-François Kahn y était. D'autres seront repêchés dans la Seine. 12 000 manifestants sont arrêtés. Parquet porte de Versailles au Palais des Sports. Bilan officiel de la préfecture de police le lendemain, 3 morts. En réalité, 100 à 150, selon l'estimation la plus probable. Mais on ne connaîtra jamais le chiffre exact, ni l'identité de toutes les victimes. Des archives ont été détruites, les enquêtes enterrées. Un visage de ce 17 octobre, celui de Fatima Bidar, sans doute la plus jeune victime de cette tuerie. Son corps a été retrouvé dans le canal Saint-Denis. La police a classé l'affaire en suicide, mais Fatima est bien partie manifester ce soir-là. Elle avait 15 ans. Un massacre longtemps resté dans l'oubli. Enfoui par le souvenir d'une autre répression, celle du métro Charonne, 9 morts en février 62. Les récits du 17 octobre ont mis 30 ans à émerger grâce à un chercheur, Jean-Luc Hennaudy, et son livre La bataille de Paris en 91, et avant lui, grâce à un romancier, un auteur de polar, Didier Deninx, qui est bien plus qu'un auteur de polar, qui a enquêté sur ce crime et l'a fait revivre dans ce bouquin magistral paru en 84 dans la série noire Meurtre pour mémoire. Le souvenir du 17 octobre 61 lui doit beaucoup. Mais des journalistes, des photographes étaient présents ce jour-là. Oui, quelques-uns, dont le jeune Jean-François Kahn. Il y a eu des papiers dans la presse, mais sous une chape de plomb invraisemblable. Regardez cette inscription tracée à la peinture dans les jours qui ont suivi sur les quais de Seine devant l'Académie française. Qu'est Conti ? Ici, on noie les Algériens. Graffiti qui a été très vite effacé, mais son histoire est
extraordinaire. Il a été tracé par deux artistes militants, Jean-Michel Mention et Jean-Marie Binoche, le père de l'actrice Juliette Binoche. Le lendemain, deux rédacteurs du journal communiste L'Avant-Garde tombent dessus par hasard, Jean Texier et Claude Angély, le futur rédacteur en chef du Canard Enchaîné. Les flics sont sur place, Angély au volant passe au ralenti, Texier saute en marche, déclenche son reflex, prend deux photos à la volée avant de s'enfuir, pied au plancher. Il propose le cliché à l'Humanité qui renonce à le publier, trop risqué. L'UMA, qui a déjà été saisi 27 fois depuis le début de la guerre d'Algérie, est au bord du gouffre financier. Le journal attendra donc 25 ans pour publier cette photo, la mettre à la une de son journal en 86. Elle est depuis gravée dans l'histoire, devenue l'un des symboles de ce crime presque sans image et d'un très long silence. Bonsoir Jean-François Kahn. Bonsoir. Essayiste, patron de presse, fondateur de l'événement du jeudi, puis de Marianne, et jeune reporter pour le Paris Presse L'Intransigeant lors des événements d'octobre 1961, d'abord sur les grands boulevards, puis porte de Versailles, là où avaient été emmenés les manifestants juste après leur arrestation. Et c'est seulement à ce moment-là, quand vous êtes porte de Versailles, que vous prenez l'ampleur de la violence de la répression. Oui, en fait, c'est même un peu après, parce que quand je vais pour à la rencontre des manifestants qui venaient de Nanterre beaucoup, et qui étaient partis par les grands boulevards, qui arrivaient, et moi je les rejoins au niveau du Rex. D'ailleurs, au niveau du Rex, c'était aussi le niveau du journal L'Humanité. Absolument, c'était rue du Faubourg. Et non, c'est au niveau du Rex. C'était extraordinaire parce que c'était, comme vous l'avez rappelé, à l'appel du FLN contre un couvre-feu, et c'était une manifestation très pacifique à voir. Après, le ministère de l'Intérieur a essayé de dire qu'ils étaient armés, qu'ils étaient extrêmement violents. C'est pas vrai. C'était volontaire. Hein. C'est pour des raisons politiques qu'ils avaient fait en sorte et bien demandé que ce soit très pacifique. Et il y avait beaucoup de femmes. Ouais. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'était très rare dans les manifestations d'Algériens, il y avait beaucoup de femmes, il y avait des familles entières. Et puis, la police est arrivée. Il faut bien comprendre une chose. C'est qu'on est à 6 mois de la paix en Algérie. Mais il y a toujours la guerre en Algérie. Et aussi pacifique que soient ces manifestants, avec des femmes, presque peut-être des très jeunes, pour certains policiers, c'est l'ennemi qui manifeste. Ah oui. C'est l'armée ennemie. Et donc, ils ne se comportent pas. Enfin, déjà, ils sont très violents. Hein. À l'époque, l'arme principale, c'est ce qu'on appelle un bidule. C'est une énorme matraque, très longue, plombée. Vous n'imaginez pas ce que c'était, ça vous faisait exploser la tête. Pour moi, c'est une angoisse. Hein. J'ai souvent été confronté à ça, c'était terrible. Et donc, ils rentrent dans le tas, ils tapent, malgré le côté qu'il y avait, que c'était absolument pacifique. Moi, je n'ai pas vu les morts. Tu dis qu'il y a eu des morts à cet endroit-là. Des noyades, des pendaisons, ça, vous ne les avez pas vus. Je n'ai pas vu des morts. Mais vous avez vu des manifestants tabassés, Porte de Versailles. Vous les avez vus, Porte de Versailles. Là, j'ai vu qu'ils avaient le visage ensanglanté. J'ai vu qu'ils étaient le visage en sang, qu'ils étaient tabassés. Je n'ai pas vu les morts. En revanche, je les ai vus arrêtés, etc. Du coup, je me suis précipité. Quand on m'a dit qu'on les emmenait Porte de Versailles, je me suis précipité Porte de Versailles et j'ai attendu. Et à un moment, ils ont commencé à sortir vers 2h du matin. Et là, c'est vrai que j'en ai vu, alors d'abord les habits déchirés et très amochés, c'est-à-dire en sang, la tête en sang, que certains avaient le bras cassé, etc., très amochés. C'est-à-dire, incontestablement, ils avaient été brutalisés à l'intérieur. Mais ce n'est pas là où j'ai pris conscience. C'est 2 jours plus moi, tard. Moi, j'ai pris conscience. C'était, parce que je vous dis, j'ai aussi participé à la manifestation de Charonne, donc il y avait une tradition de violence dans la police qui était bien plus forte qu'aujourd'hui. Mais c'est 2 jours plus tard où ce photographe dont vous avez parlé m'appelle. Et je le connaissais très bien parce qu'on avait été ensemble à Sorbonne. C'est Kagan, hein. Ali Kagan, dont la famille était d'origine d'Europe centrale, qui avait vraiment vécu l'antisémitisme. Et il me dit, j'ai quelque chose à te dire, il faut que je te montre des photos. Il m'appelle, je vais le voir. Il me montre des photos de cadavres récupérés dans la Seine et quelques-uns pendus aux arbres des forêts autour de Paris. Et bien voilà, je lui dis, mais c'est quoi? Parce que c'est ça qui est terrible. C'est qu'à mon avis, il n'y a eu pratiquement pas de mort dans la manifestation. C'est après. C'est en ce sens que ce n'est pas une manifestation qui a provoqué une répression violente qui a fait des morts. C'est après la manifestation qu'il y a eu ce qu'on appelle une ratonnade. C'est-à-dire qu'un certain nombre, c'est ce qu'il dit, un certain nombre d'Algériens ont été achevés, ont été jetés dans la Seine, noyés, certains pendus. Et là, il me montre des photos. Mais je suis sidéré. J'ai dit, mais
c'est possible ça, on peut faire ça. Eh ben, mon... J'ai dit, oui, mais enfin, c'est pas une preuve, les photos, peut-être que c'est dans d'autres situations. Et j'appelle à ce moment-là le syndicat majoritaire de la police à l'époque, il y avait peut-être des policiers violents, mais le syndicat majoritaire de la police à l'époque était de centre-gauche, était plutôt proche du PS. Et je connaissais un des responsables, je l'appelle, et je lui dis, voilà ce qu'on me dit, voilà ce que me dit un photographe. Et il me dit, oui, d'après nos informations, il s'est passé des choses terribles, terribles. Il me dit ça. Et vous retournez à votre rédaction, Paris Presse, j'étais retourné déjà après. Et on vous dit, non, on n'en parle pas. Alors, je le dis, mais vous savez ce que j'ai appris? Regardez, il m'avait laissé des photos. Je dis, regardez ce que j'ai appris, il paraît que c'est terrible, il s'est passé des choses. Il faut que peut-être faire un article. Rien. Mais il n'y a pas que mon journal. La grande presse, comme on disait à l'époque, il n'y a pas eu un mot sur ces morts et sur ce massacre. Mais c'était pourquoi absolument... ce silence? Parce que l'humanité, Patrick a expliqué les raisons. La peur de, oui, voilà, d'être saisi, de mettre en péril la survie du journal. Mais c'était le cas aussi des autres titres de presse. On ne voulait pas déplaire au pouvoir. Ce n'était pas la peur d'être servi. C'était qu'on ne pouvait pas dire ces choses-là. Il ne fallait pas déplaire ce pouvoir. Moi, quand il y a eu la manifestation de Charonne, je raconte dans les mémoires, quand il y a eu la manifestation dans de Charonne, mémoires. Là, où il y a eu 9 morts, là, c'était dans la manif, les 9 morts, hein, c'était au métro. J'arrive le lendemain matin, on ne me demande rien. Moi, j'étais encore sous le coup, non pas des 9 morts, là non plus, je ne les ai pas vus, mais sur la violence, incroyable. J'étais encore, et je savais qu'il y a eu 9 morts. J'attendais qu'on me demande un article, rien, on ne me demande rien. Je m'approche du rédacteur en chef, qui était un type, à part ça, tout à fait sympathique. Il était au téléphone. Donc je reste derrière lui, j'écoute. Et tout à coup, je prends conscience qu'il est au téléphone avec le ministère de l'Intérieur, qui lui dicte le récit de la manifestation. Et à moi, on ne me demande rien. Et finalement, c'est le on m'a pas publié mon reportage, on a publié le récit du ministère de l'Intérieur. Ce serait impossible aujourd'hui. Oui, avec les Mais il faut savoir sociaux, qu'à l'époque... Ces choses-là étaient possibles. Mais ça a dû vous révolter, vous, le jeune journaliste. Demain, à Colombes, Patrick Ladier, Emmanuel Macron participent à la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de cette répression sanglante. C'est la première fois qu'un président le fait. Est-ce qu'il faut qu'il reconnaisse un crime d'État, comme le réclame aujourd'hui dans son éditorial le journal Le Monde? De toute façon, il faut savoir la vérité, déjà. Tu as dit qu'on dit qu'il y a 250 morts. Très objectivement, je ne crois pas qu'il y ait 250 morts. Ouais. J'ai moi-même travaillé là-dessus beaucoup. J'ai essayé de faire des recoupements et je pense qu'il y a eu entre 50 et 60 morts. Ce qui est énorme. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? 50 ou 60 morts après une manifestation en plein Paris. Mais d'autres, en effet, 10, 200, les exagérés. Donc déjà, il faut faire un vrai travail si d'enquête et d'historien. Enfin, on doit savoir combien il y a eu de morts ce jour-là, quand même. C'est quand même incroyable qu'il y ait cette chape de plomb. Il faut savoir. Oui, oui, il y a une liste de morts, de cadavres retrouvés. Alors les cadavres retrouvés dans la Seine, il y en a eu 65. Mais là aussi, il faut dire, il y avait aussi des règlements de compte. Parce que moi, j'ai vu Papon ensuite. J'ai fait un voyage en Chine avec Perfit. Il y avait Papon. Donc j'ai passé 3 semaines avec Papon en Chine. Et j'ai dit à Papon, sans arrêt, j'ai dit, mais il s'est passé quand même, reconnaissez, c'est horrible. Et vous savez ce qu'il me répondait? Systématiquement, c'est les Arabes qui se sont tués entre eux. Systémant. C'était la version Cela officielle. Dit, il est vrai qu'il y avait des règlements de compte entre Algériens, et il est vrai que parmi les gens repêchés dans la Seine, il y a eu des victimes de ces règlements de compte. Pour ça que je dis, sur les 65 personnes retrouvées noyées, tous n'étaient pas forcément des victimes de cette ratonnade. Mais il y a plus de 50, je crois qu'il y a eu plus de 50 victimes de cette ratonnade. En tout cas, on écoutera attentivement les mots que choisira demain le président de la République. La France, comme d'autres pays colonisateurs, mais la France singulièrement, en aura-t-elle fini un jour avec son passé colonial? Pour certains, oui. D'abord, je ne crois pas qu'il y a la France. Il n'y a pas une France par rapport à ce passé colonial. Il y a des Français qui ont des histoires complètement différentes. Il y en a qui ne veulent pas savoir. Il y en a qui ne veulent pas savoir ce qu'il faudrait savoir. Il y en a d'autres, au contraire, que ça a marqué et qu'ils veulent savoir. C'est une France très complète. Mais ce n'est pas le passé colonial. C'est le passé par rapport à l'Algérie. Oui. Le Vietnam, les gens veulent bien qu'on dise tout ce qu'on veut sur le Vietnam. Ben, sur l'Algérie. Même les 20 000 morts de Madagascar, ils veulent bien qu'on rappelle les 20 000 morts de Madagascar. C'est l'Algérie. Là, y a, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président. Il y a un problème terrible, personnel, viscéral, de rapport à l'Algérie. Il faudra qu'on guérisse ça d'une façon... Mais du côté algérien aussi. Il faut aussi que les Algériens admettent
un certain nombre de... moi, j'ai couvert l'OAS, après j'ai couvert l'Algérie. Il est évident qu'il y a eu aussi des crimes des Algériens, qu'il faut aussi qu'ils assument. En tout cas, demain, c'est 61, et le 20 septembre dernier, Emmanuel Macron demandait pardon aux harkis. Face à ceux qui l'avaient loyalement servi, notre pays n'a été fidèle ni à son histoire, ni à ses valeurs. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de la France, je dis aux harkis, à leurs enfants, à voix haute et solennelle, que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Demain, on peut s'attendre à des paroles fortes. Ce sera la première fois qu'un président va intervenir sur les événements de 61, mais il n'y aura sûrement pas d'excuses, puisqu'on ne connaît pas assez tous les faits. De toute façon, je suis contre l'excuse sur la poitrine de l'autre. C'est pas lui, c'est pas nous, donc c'est facile de s'excuser, donc c'est absurde. En revanche, là, il faut reconnaître, il faut enquêter pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi, combien de victimes, sans quoi, il y en a qui disent 300. Moi, je pense qu'il n'y a pas 300, mais il y en a qui disent 300. Mais la droite continue à dire qu'il n'y en a pas eu, quasiment. Donc, il y a un moment où il faut qu'on regarde en face la réalité, combien il y a eu de victimes. C'est inouï, quand même. Vous imaginez, aujourd'hui, moi, encore une fois, je suis le premier à vous dire, je crois qu'il y en a eu un peu plus de 50 oui. et pas 200. Mais imaginez aujourd'hui, à Moscou, une manif avec 50 morts dans le monde entier. Ça ferait un scandale incroyable. Et là, rien. Il y a les militants de la mémoire coloniale et de l'autre côté, il y a ceux qui refusent la repentance. C'est le cas notamment d'un non-candidat à l'élection présidentielle qui a fait une percée dans les sondages. Moi, je pense que la repentance nous fait beaucoup de mal parce que la repentance nous pousse à la culpabilité et la culpabilité nous pousse à la quête d'expiation, quitte à détruire notre civilisation. Moi, j'assume tout. L'histoire de France, il faut tout assumer. Il ne faut pas sans cesse se repentir. Éric Zemmour, vous dites que c'est le retour de tous les refoulés, de tous les non-dits de la société française. Non, mais c'est complètement absurde. J'ai dit moi-même que je suis contre la repentance parce que c'est absurde. La repentance, je vous dis, sur la poitrine de l'autre, c'est bon. On ne peut pas continuer à se repentir, etc. En revanche, cette refus total de reconnaître ou un crime, les mêmes, ils vous disent c'est inconcevable qu'aujourd'hui, en Russie, Poutine refuse à reconnaître l'ampleur des crimes de Staline. Les mêmes, c'est les mêmes qui disent les Serbes ne veulent pas reconnaître les exactions qui s'est passées pendant la guerre de Yougoslavie. Il serait temps qu'ils les reconnaissent. Les mêmes qui disent ça, vous dites ah non, pas de repentance, etc. Il ne faut pas de repentance, mais il faut regarder l'histoire en face. Il ne s'agit pas de repentance, c'est regarder l'histoire en face. C'est tout. Et qu'est-ce qu'on critique les pays qui ne veulent pas regarder leur histoire en face? Ce que fait pas Éric Zemmour de regarder l'histoire en face? Il faut la regarder en face. Mais Éric Zemmour, il la regarde, l'histoire en face? Il regarde, je ne sais pas si il regarde son histoire, sa propre histoire en face. De travers, parfois. Oui. Hein, je trouve que j'ai bien lu le livre qu'il a fait. Le destin français. Le destin français. Et si les gens le lisaient, je crois que beaucoup de gens l'ont acheté, mais ne l'ont pas lu, enfin, je crois. Parce que s'ils le lisaient, c'est intéressant hein, comme livre, je peux vous dire. S'ils le lisaient, ils seraient surpris. Je peux vous dire qu'il serait surpris. Vous avez listé récemment dans une tribune, dans Le Point, toutes les transgressions historiques auxquelles pas il se livre. Pas transgressions, même pas, c'est son avis. Oui, la Saint-Barthélemy, Dreyfus, Papon, dont on parlait il y a un instant. Ça, c'est dans son nouveau livre, j'avais pas vu. Mais ça fait beaucoup. Mais pareil, oui, enfin, par exemple, il dit « je suis moi le nouveau RPR, c'est moi le RPR, le parti Gaulli ». Mais dans son livre « Le destin français », il dit que la politique étrangère de Gaulle est un échec total. A été un échec total, entre autres choses. Jean-François Kahn, Mémoire d'outre-vie, vous racontez notamment l'épisode du 17 octobre 1961, quand vous vous retournez sidéré sur tout ce que vous avez vécu et ce dont vous avez été témoin. C'est un livre qu'on recommande chaudement et c'est le tome 1 seulement de vos mémoires. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Salut
Salut Mohamed. Salut Babette, salut à toutes et à tous. Il lui a fallu 5 minutes pour adopter le voile, 50% défaire. Dévoilons-nous, c'est l'appel d'une femme et vous nous racontez ce soir son histoire. Mariam Tiganimine a adopté le voile en 5 minutes. À 10 ans, elle l'a gardé 18 ans. Elle a mis 5 ans à l'enlever. Avec Anaïs Recouli, nous avons rencontré cette femme issue d'une famille croyante et pratiquante de Mantes-la-Jolie qui a décidé de ranger le voile. La jeune doctorante en sociologie est devenue agnostique. Je me suis dévoilée, ça s'est un peu étalé sur 5 ans, parce que voilà, c'était vraiment la dernière chose qui restait un petit peu en fait, de mes croyances et d'une pratique visible. On est un peu dans un processus de désenchantement quand on voit toutes les croyances qu'on a reçues en héritage voilà, qui ne nous correspondent plus. La question du voile et du dévoilement, traité sereinement, c'est un prétexte pour un exercice intellectuel beaucoup plus grand, qui est celui de pouvoir abandonner des croyances, changer de pratique. Ça, c'est un exercice intellectuel qui est très coûteux socialement. Elle a décidé d'enlever son voile car elle estime que les personnes avaient du mal à voir la femme derrière le voile. Elle évoque aussi une tenue d'un temps patriarcal où la place de la femme est réduite. Celle qui a grandi au Val-Fouré, une cité des Yvelines, a choisi seule de porter le voile. Le hijab à 10 ans, elle insiste, ses parents l'ont incité à pratiquer l'islam, mais pas à porter le voile. Je l'ai porté très tôt, mais je l'ai porté par mimétisme. Et personne ne m'a dit « Mariam, faut que tu le portes ». C'est juste qu'autour de moi, des femmes très respectables le portaient. J'ai reçu une éducation religieuse où on m'a parlé de grandes femmes du Moyen-Âge qui le portaient aussi. Et je me suis dit, bah tiens, ça a l'air stylé en fait, moi aussi je vais le porter. Puis en fait, autour de vous, clairement, j'ai grandi dans une cité de banlieue où, bah oui, en fait, ça vous permettait d'avoir une estampille de filles bien, de filles sérieuses et d'avoir la paix. Durant 18 ans, elle connaît les humiliations, la haine, les difficultés pour louer un appartement, trouver un travail. Plus compliqué avec le voile, elle crée un site internet, Hijab and the City, un mix avec le mot voile en arabe et le titre de la fameuse série américaine Sex and the City. L'histoire de 4 femmes et de leur turpitude à New York pendant 18 ans, Mariam voit la difficulté d'être une femme voilée dans notre société. Dès qu'il y a un événement... je sais pas moi, un attentat quelque part dans le monde et qu'il y a un traitement médiatique, un emballement médiatique, le lendemain vous êtes sûr que dans les transports en commun, dans la rue, on vous bouscule, on vous regarde mal, on peut même vous cracher dessus, vous insulter. Je pense pas en fait que en France on déteste les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Je pense qu'on a un problème avec les religions, qu'on est un pays en fait où on a été à l'initiative d'un système de valeurs, de droits qui est la laïcité, qu'il faut protéger. Sauf que, encore une fois, on n'émancipe pas les gens en les agressant, en les vexant. Celle qui est aujourd'hui une scientifique épanouie, dont le choix de retirer son voile a été accepté par sa famille, rappelle qu'elle n'est pas contre le voile. Elle rejette cependant cet habit pour les mineurs. Jean-François Kahn, comme Mariam, vous estimez que la France a un problème avec les religions et l'islam, ou non? Ah oui, elle a un problème. Ça me semble... Si la question est posée comme ça... Elle a un problème. De même qu'elle a un problème avec ses colonies, avec le colonialisme, à reconnaître certaines choses, elle a un problème avec les religions et l'islam, oui. Après, on peut s'interroger sur quel type de problème elle a analysé, mais on voit bien qu'elle a un problème. Et c'est quoi la solution alors à ce problème-là? Ce serait quoi la solution alors? Quel est le problème et quelle est la solution? Non, mais le problème, c'est que l'islam, alors c'est là où on retrouve Zemmour entre parenthèses, l'islam dans l'inconscient français, entre autres, est complètement lié ou aux colonies, c'est-à-dire à notre expérience coloniale, donc aux révoltes coloniales, donc aux révoltes contre la France, ou bien à l'époque des croisades ou de la reconquête espagnole, donc c'est la religion de l'ennemi. C'est pas vrai pour la majorité des populations, de la population, mais pour une partie de la population, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai que c'est vrai inversement. Il y a à Versailles, je sais pas si vous, il y a un formidable musée qu'a créé Louis-Philippe. Et ce musée qu'a créé Louis-Philippe, c'est toute l'histoire de France, entre autres les grandes batailles de l'histoire de France. C'est vraiment, il faut le visiter. C'est là où il y a l'Asmala d'Abdelkader, la prise de l'Asmala d'Abdelkader, etc. Eh bien, les professeurs emmenaient les cours, leurs élèves voir ça, parce que l'histoire de France. Et on a été obligé d'arrêter. Pourquoi d'arrêter? Parce que les élèves musulmans
on protestait contre le nombre de tableaux qui représentaient des batailles où les musulmans étaient massacrés ou tués, etc. Donc ils avaient un problème. Il y a un problème de ce côté-là, il y a un problème de l'autre côté. Quand il y a un problème d'un côté, il y a forcément un problème de l'autre côté. C'est évident que tout ça a du mal à être assimilé, à être mis à plat, c'est incontestable. Merci beaucoup. Merci, Mohamed. À tout à l'heure pour la Story Média. Marion, l'affaire Delphine Jubillar fait à nouveau l'actualité. L'histoire de la disparition non élucidée de cette infirmière de 33 ans qui n'a plus donné de signe de vie depuis le 16 décembre dernier. Pas de corps, pas de preuves, 10 mois d'enquête. Un suspect qui a déjà fait 4 mois de détention préventive. Un fait divers tragique qui tient les Français en émoi depuis près d'un an. Cette disparition très inquiétante dans le Tarn, une mère de famille aurait quitté seule sa maison dans la nuit de mardi à mercredi. La gendarmerie, qui a déployé d'importants moyens de recherche, n'écarte aucune piste. Delphine Ossaguel, 33 ans, infirmière de métier, cette maman de deux jeunes enfants de 6 ans et 18 mois, a disparu de son domicile dans la nuit de mardi à mercredi dernier, entre 23h et 4h. Une cinquantaine de gendarmes est mobilisée. Inspectant jardin et appenti. À l'époque, Cédric Jubillar, le mari de Delphine, qui a signalé sa disparition, est entendu deux fois par les gendarmes, mais n'est pas placé en garde à vue. Le 23 décembre, une information judiciaire pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration est ouverte. La maison du couple, en instance de divorce, est perquisitionnée. Fin décembre, Cédric Jubillar participe à une battue citoyenne réunissant 1 millier de personnes. L'enquête se poursuit, mais piétine, faute de preuves suffisantes. Certaines révélations sont tout de même troublantes. Le 13 janvier 2021, la page Facebook de Delphine Jubillar s'active mystérieusement. Le 15 février, on apprend que le couple se serait violemment disputé le soir de la disparition. En juin, l'étau se resserre autour de Cédric Jubillar. Alors qu'il participe le 12 à une marche blanche en l'honneur de sa femme, il est mis en examen pour homicide volontaire et écroué le 18. Le 4 juillet, on apprend que sa propre mère, entendue par les enquêteurs, estimerait que son fils est impliqué dans l'affaire. 3 jours plus tard, des analyses déterminent la présence de sperme et du sang de Delphine Jubillar sur le pyjama de Cédric, prélevé comme pièce à conviction lors des premières fouilles. Et ce vendredi, nouvel espoir pour les enquêteurs. Peut-être le moment de vérité aujourd'hui dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubillar. Pour la première fois, son mari est donc auditionné 10 mois après la disparition de la jeune femme. Dans ce fourgon aux vitres teintées, le suspect numéro 1, dans une affaire aux nombreuses zones d'ombre. Les juges d'instruction ont des questions à lui poser, et notamment sur sa relation avec Delphine, sur leur rencontre, sur leur vie à deux, sur leur procédure de divorce qui était en cours, mais également sur le soir de la disparition. Des juges qui espèrent certainement des aveux de Cédric Jubillar. D'aveux, il n'y en aura point. L'audition a duré 4 heures. L'ex-mari de Delphine Jubillar a maintenu sa défense en clamant son innocence. Pour en parler ce soir, le journaliste spécialiste des faits divers et présentateur de L'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard, est ce soir notre invité. Bonsoir Jean-Alphonse Richard, merci de votre présence ce soir. Alors que Cédric Jubillar a été entendu aujourd'hui pendant 4 heures par les juges d'instruction de Toulouse qui le considèrent toujours comme le suspect numéro 1, à tel point qu'une autre audition est déjà programmée pour le début du mois de décembre prochain. Mais les avocats de ce suspect numéro 1, eux, dénoncent ce dossier vide et vont dès lundi déposer une nouvelle demande de remise en liberté. Ils se sont exprimés en fin d'après-midi. Il faut considérer que manifestement, la justice est absolument incapable de mettre en avant des éléments qui permettrait d'établir que Cédric Jubillar puisse être coupable des faits qu'on lui reproche. La présomption d'innocence est manifestement flouée. Cet homme est détenu abusivement, sa place n'est pas en prison et nous allons de ce pas, dès lundi, déposer une nouvelle demande de mise en liberté. Est-ce que le dossier est vide, Jean-Alphonse Richard? Alors le dossier, il est vide pour les avocats. Effectivement, il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de cadavre. Donc ça, c'est, déjà, ça complique un petit peu la donne. Après, il n'est pas vide du tout dans le sens où les gendarmes ont accumulé une masse de documents énormes. Et ils se fondent pour dire que Jubillar est le suspect numéro 1 sur des contradictions. Alors, dans ses déclarations, c'est qu'il n'a cessé de se contredire la façon dont s'est déroulée cette nuit de la disparition. Voilà, il y a plusieurs contradictions et il y a au moins un mensonge. Alors les contradictions, par exemple, je vous en donne une toute simple. Il dit qu'il s'est réveillé, sa petite fille était en train de pleurer, il s'est levé, il a vu que son épouse n'était pas là.
Stop, première version. Deuxième version, il dit je suis allé balader les chiens. J'ai sorti les chiens. Troisième version, non, finalement, c'est Delphine qui a... Ce qu'elle ne fait jamais, elle a peur de la nuit, elle a peur de l'obscurité. Voilà, ça fait partie un petit peu des contradictions qui sont dans ce dossier. Et le mensonge, c'est la dispute ? Non, le mensonge, c'est pas tellement la dispute, parce que la dispute dans un couple, en plus, une dispute, ma foi, dans un couple... Au début, il l'avait nié, elle a été attestée par des témoins. Oui, c'est surtout son fils dit, moi, j'ai entendu papa et maman qui se disputaient très fort. Mais une dispute, ça ne fait pas forcément l'envie de tuer quelqu'un. Non, le mensonge, il n'est pas là. Le mensonge, c'est quand Cédric Jubilard dit « J'ignorais qu'elle avait un amant. » Et j'ignorais qu'elle voulait me quitter, accessoirement. C'est un couple qui est quand même en procédure de divorce. Ça se passe bien. Il n'y a pas de souci, ils ont un avocat, etc. Tout va bien. Mais là-dessus, il dit un truc qui ne va pas. Et on sait que, par exemple, il a fait... Il a cherché à savoir où elle allait. Il a cherché ce qu'elle faisait dans ses journées. Il a essayé de savoir qui était cet amant, ce fameux amant qui va apparaître comme une ombre chinoise tout au long de l'instruction. Donc ça, c'est un mensonge qui, pour lui, je pense, est cruel et qui pèse lourd. Mais ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Pourtant, des messages ont été retrouvés sur son téléphone portable lorsqu'il transmet à des amis une photo retrouvée sur le téléphone de sa femme. Une photo qu'elle aura envoyée à son amant, avec le commentaire du mari « J'ai grillé Delphine ».« J'ai grillé Delphine », alors qu'est-ce que ça veut dire « J'ai grillé Delphine » Est-ce que ça veut dire « Je l'ai tuée » ou bien est-ce que « Je l'ai surprise, je sais exactement ce qu'elle fait ». Elle est grillée, elle est partie avec son amant cette nuit-là, elle m'a laissée. Ça peut aussi être interprété comme ça, et c'est une interprétation que fait d'ailleurs la défense. Il supportait pas, ça c'est l'un des mobiles du crime, que sa femme refasse sa vie avec un autre homme, et il aurait été très menaçant verbalement. Ça, des témoins ont rapporté des déclarations inquiétantes. Effectivement, il y a des déclarations qui disent qu'il pouvait être menaçant, non pas violent, mais en tout cas qu'il... Elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera. Je vais l'enterrer. Encore une fois, ce sont des mots. Des mots graves, des mots qui sont lourds de sens, des mots de menace. Mais ça ne constitue pas, au sens du code pénal, une preuve pure et simple. Quelle est la ligne de défense de Cédric Jubilard ? Alors, la ligne de défense, c'est le silence. La ligne de défense, c'est la... Alors, excusez-moi, je vais faire un parallèle un petit peu, je vais me faire engueuler, mais c'est la ligne de défense des truands. C'est-à-dire, on ne parle pas. En tout cas, on dit effectivement que ce qu'on a envie de dire, et le minimum surtout. Donc Cédric Jubilard, il a passé 44 heures en garde à vue. 44 heures c'était en garde à vue, c'est pas une balade de santé. Hein. Vous n'êtes pas à Saint-Trope, etc. Donc voilà, 44 heures de garde à vue, c'est beaucoup. Les gendarmes disent qu'il ne les a pas menés en bateau, mais il est très difficile à appréhender. C'est compliqué, Jubilard. Il les emmène un petit peu où il veut, etc. Et pourtant, ils y sont allés frontalement. Ils lui ont posé une carte topographique des lieux en lui disant où est-ce qu'on n'a pas cherché encore le corps. Ça, c'est la deuxième garde à vue. Mais effectivement, il lui pose une... Alors, quand on en est là, si vous voulez, dans une enquête, on joue des va-tout. Hein. C'est-à-dire qu'on est au bout de la démonstration, on n'a plus tellement de cartouches et on sort la fameuse carte. C'est-à-dire qu'on dit... On sait où c'est, mais où est-ce qu'on n'a pas cherché, on va gagner du temps. Ça marche, c'est un peu enfantin. Mais ça peut marcher avec quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui en a marre, etc., et qui va finir par craquer. Ce n'est pas vraiment dans la psychologie de Cédric Jubilard. Hein. Et en plus, c'est un garçon qui connaît parfaitement la région. Ça, je ne sais pas si on va en parler. Mais qui est difficile à fouiller, par ailleurs. La région, elle est épouvantable. La région, c'est un gruyère. C'est-à-dire qu'on peut planquer un corps à peu près partout. Donc là, ils ont fouillé. Oui. Non, mais c'est pas... Il y a des régions comme ça qui sont propices à la dissimulation. Cette région-là en fait partie. Il n'y a que des failles, des trous partout, etc. Ils ont fouillé. Il y a une forêt très dense aussi, pas très loin. Il y a une forêt très dense. Il y a une végétation qui est parfois impénétrable. Et pourtant, il y a des moyens considérables qui ont été déployés. Oui.
Et on continue encore les recherches, elles n'ont pas arrêté. On continue les recherches. Les dernières recherches, c'était dans le fameux lavoir à charbon, etc. Cette espèce d'usine désaffectée, digne de Mad Max. Donc il y a eu des recherches pendant des heures et des heures dans cette espèce de labyrinthe de béton et de métal. On n'a rien trouvé. Il y avait des chiens renifleurs de cadavres qui étaient là. Des drones ont été employés, etc. Des caméras thermiques. On ne trouve rien. Et pourtant, on ne trouve rien. Et en plus, c'est d'autant plus mystérieux, c'est que cette nuit-là, à supposer que ce soit Jubilard qui décide de tuer sa femme, il ne peut pas aller très loin. Pourquoi ? Un, il y a ses enfants qui dorment. Alors on dirait effectivement qu'il est laissé seul et tout, oui, etc. Oui, il l'avait déjà Il y a peut-être un créneau de 2-3 heures. Ensuite, il y a le couvre-feu. C'est la première nuit où il y a le couvre-feu. À partir de 20h. Voilà, qui est déclaré. Donc il risquait d'être contrôlé. Vous allez prendre le risque de tomber sur une patrouille de gendarmerie. Avec un cadavre dans le coffre. Et ce soir-là, les gendarmes, ils ont envie de contrôler et d'avertir les gens qui pourraient contrevenir au contre-feu. Donc voilà. Donc ça veut dire que le périmètre de recherche, le cercle qui a été tracé par les gendarmes sur une carte, il est extrêmement réduit. Voilà. Il y a une voix aujourd'hui qui prend la défense de Cédric Jubilard, c'est Séverine, 44 ans, sa nouvelle compagne. Ouais, il est innocent. Il ne m'a jamais montré une seule fois, en fait, comme quoi, et ça serait lui qui aurait fait ce geste-là. Moi, je ne suis pas là pour le couvrir, quoi qu'il en soit. Moi, je suis là pour le soutenir. Si c'est lui, c'est lui. Ben, je me serais trompée, vraiment. Je serais vraiment dégoûtée de m'être trompée. Mais moi, j'y tiens la main depuis le début, je le dis, et j'y tiendrai la main jusqu'au dernier moment, que ça pèse ou non, quoi. J'ai à 200% confiance en lui, mais qu'on arrête de s'acharner comme ça sur moi et sur lui, quoi. Voilà, Séverine qui a été auditionnée, son appartement a été perquisitionné. La police a des soupçons de complicité ou... Je crois pas, non, non. D'abord, ils sont ensemble depuis peu de temps. Hein. Ils sont connus lors d'une manif, une marche blanche, etc. Alors, c'est une amie du couple. Hein, À l'occasion d'une marche blanche, C'est une amie du couple de longue date. Hein, mais ils se sont rencontrés, etc. Non, ce qui peut éventuellement troubler les enquêteurs, et qui les trouble d'ailleurs, c'est le fait que ce garçon refait très vite sa vie. Voilà. Mais encore une fois... Personne ne sait comment on réagit après la disparition d'un proche. Là, on est dans la psychiatrie pure, la psychologie. Ça échappe sans doute un peu aux gendarmes et aux deux juges d'instruction. Les deux juges d'instruction qui doivent aller vite, faire avancer ce dossier, parce qu'on ne peut pas maintenir en détention provisoire indéfiniment. Absolument, il faut aller vite. Sans preuve. Sans preuve, il y a une course contre la montre qui est lancée. Et en l'état, renvoyer Cédric Jubilard devant une cour d'assises avec le dossier dans cet état-là, c'est compliqué, c'est très fragile. Alors on a condamné hein, déjà des crimes sans cadavre, ça existe, hein, la loi elle passe là-dessus. On pourrait commettre une véritable erreur judiciaire, c'est le risque. Il est en prison depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet. Merci beaucoup, Jean-Alphonse. Merci à vous. On vous écoute. D'ailleurs, vous avez consacré une heure du crime sur RTL à l'affaire Jubilard. Je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. C'est du lundi au vendredi à 14h30 et le dimanche également. La rediff. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu. On commence bien sûr ce 5 sur 5 avec les hommages rendus à Samuel Paty. Les hommages partout en France, mais d'abord à Conflans-Sainte-Honorine, à l'image, vous le voyez, le professeur d'histoire géo enseigné, le recteur de la mosquée de Paris venu déposer une gerbe. Hommage partout en France, dans les écoles, pour saluer la mémoire de Samuel Paty. Jean-Michel Blanquer est allé à la rencontre de lycéens parisiens. Certains essayent de dépeindre la laïcité comme quelque chose qui irait à l'encontre des religions. Je dirais que c'est tout le contraire. La laïcité permet la liberté, donc la liberté de croire ou de ne pas croire. Et c'est justement ça qui est beau et qui est précieux. L'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, c'est aussi désormais un sujet d'échange entre les enseignants et les élèves. La caricature de Maui, moi je peux comprendre qu'elle déplaise. Mais après, ça reste un dessin et comme on l'a dit, ça ne vise pas une personne en particulier. Cet hommage est important, à la fois pour entretenir la mémoire et pour rappeler... les valeurs et les méthodes qui doivent être utilisées dans l'enseignement de cette matière. C'est beaucoup d'émotions qui se mélangent. Puis c'est dur quand même de repenser à ça, parce que il y a quand même un homme qui est mort pour avoir parlé. Pour cet aveu, Louis Amar et Anaïs Recouli se sont rendus à Cap d'Aille, dans les Alpes-Maritimes. C'est la première commune à avoir rebaptisé un établissement au nom du professeur décapité pour avoir montré des caricatures du prophète. Décision du maire de la commune, nommer une école Samuel Paty, il nous dit pourquoi. Parce qu'on ne pouvait pas se contenter de faire une minute de silence de plus,
de faire un rassemblement devant le monument aux morts ou une marche silencieuse. Je crois qu'il faut véritablement réaliser à quel point cet événement est dramatique, pas simplement pour la famille, mais pour toute l'institution de l'éducation nationale et au-delà, pour tous nos principes républicains. C'est pour ça que sur la plaque de l'école Samuel Paty, il est inscrit « Samuel Paty, enseignant de la République ». Aujourd'hui, Samuel Paty est un peu devenu, d'une façon un peu différente bien sûr, plus tragique, le Jules Ferry que nous avons connu il y a des décennies. C'est un homme qui est mort pour ses idées, qui est mort pour défendre aussi nos idées et nos valeurs. Il faut savoir que cette décision n'a pas été prise sans susciter un débat chez les parents d'élèves. C'est une école maternelle qui a été choisie. La décision n'a pas été acceptée à l'unanimité. Écoutez ce que disent les parents aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est normal que cette école porte le nom de Samuel Paty? Mais bien sûr, bien sûr. Je trouve ça génial. Une école maternelle n'a pas à être en contact et associée à ça, en fait. Pour moi, c'est important de pas oublier, déjà. On avait peur qu'il soit pris pour cible et que, du coup, des gens, par vengeance, viennent attaquer, du coup, cette école. Ça a été imposé. Les parents n'ont pas été mis au courant. C'est quand même nos enfants qui sont scolarisés ici. C'est quand même la sécurité de nos enfants aussi, avant tout. Il y a toujours un petit peu de peur, mais voilà, ça me dérange moins que tout au début. Allez expliquer à un enfant de 3-4 ans pourquoi leur école s'appelle Samuel Paty. Est-ce que votre enfant vous a déjà demandé qui était Samuel Paty? À 2 ans et demi, non. 2 ans et demi, non. Il me demande plutôt qui c'est Batman. C'était pour terminer sur un soupçon de légèreté, mais vous avez entendu que certains sont encore inquiets aujourd'hui, et le maire de Cap-d'Aille leur répond à ceux qui ne sont pas encore convaincus. Le principe même du terrorisme, c'est de faire peur. Donc si à chaque fois qu'il y a un acte terroriste, on ne fait rien, je crois que nous avons beaucoup de soucis à nous faire pour les années futures. Le crime était tellement horrible que d'associer le nom de cet homme qui a été sauvagement assassiné à une école, ça pouvait effectivement faire craindre quelque chose à ses parents à ce moment-là. Mais après, il faut se ressaisir. Il faut croire en nos idées, en nos valeurs et savoir les défendre. Alors pour terminer, une autre petite initiative, écoutez. On veut bien écouter, on a ouvert grand nos oreilles. C'est ce qu'on a connu ce matin, mais on doit avoir normalement une ambiance musicale, voilà. La chanson s'appelle « École Espoir », écrite par Amélie, c'est une institutrice de CM2 d'une école du 19e arrondissement de Paris. Amélie qui fait partie des Français que nous suivons cette année dans « Nous, Président », série documentaire où nous écoutons les Français avant la présidentielle. Vous retrouverez Amélie, cette classe de CM2, demain soir, comme tous les samedis désormais, à 20h25, sur France 5, bien sûr. Puisque vous évoquez la présidentielle, une autre nouveauté ce soir dans le 5 sur 5. Le vendredi, nous retrouverons Manon Mella, journaliste de France Info, qui sonde la jeunesse et qui nous raconte ses préoccupations. La jeunesse. De nombreux jeunes d'aujourd'hui. J'ai entendu les jeunes. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Manon Mella nous emmène ce soir en banlieue parisienne, à Saint-Denis, à la rencontre de Maxime, qui étudie l'écologie. Il a 27 ans. Vous allez le découvrir, il est en stage dans une ferme urbaine. Ici, on est à Saint-Denis, là où se trouvait jusqu'au 19e siècle la plaine légumière la plus grande de France qui alimentait tout Paris. Plaine qui, depuis, a été grignotée par le béton. Mais il y a une résistante, la ferme urbaine Zone Sensible. Et pour en parler aujourd'hui, on est avec Maxime. Salut Maxime. Salut Manon. C'est à la fois un lieu où on produit des aliments qu'on donne au secours populaire dans le cadre de l'aide alimentaire. Et c'est un lieu aussi où on fait des ateliers de cuisine. Et un lieu où on fait de la culture. Moi, j'ai profité du confinement pour arrêter mon précédent travail, qui était de travailler dans un grand théâtre, et de me dire, on ne parle pas du tout de l'environnement, on ne parle pas du tout de l'écologie, ce n'est pas un sujet qui est intéressant là où je travaillais. Ça vaut le coup de s'impliquer, et du coup, je donne mon temps à ce projet-là. Cela dit, cette petite enclave de verdure dans le béton, on lui a bien sûr demandé à quoi pouvait servir la production. On donne à peu près 90% de notre production. Et les 10% restants, c'est par exemple les fleurs qui servent pour les insectes pollinisateurs. On les vend à des restaurants étoilés. Donc il y a des chefs, par exemple le Meurice, qui nous achètent ces fleurs-là et qui les utilisent dans leur plat. Et après, le deal avec ces chefs-là, c'est qu'ils viennent ici et ils rendent au territoire ce qu'on leur a donné. Donc ils font des ateliers de cuisine pour des populations défavorisées, des habitants des alentours, des gens qui nous aiment bien, des bénévoles. La présidentielle, à présent, ce que l'on veut, c'est comprendre finalement les aspirations de la jeunesse et leur rapport au scrutin. Maxime explique à Manon Mella ce qu'il attend de cette année présidentielle. Est-ce que tu te sens représenté, toi, en politique? Je me suis toujours ressenti comme représenté.
Donc j'ai toujours voté à toutes les élections, j'ai fait mon devoir de citoyen en me disant bah, y a une offre politique, elle est d'importance et tout ça. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression de ne plus me ressentir vraiment représenté aujourd'hui politiquement. Et est-ce que tu vas voter, toi, en 2022? Moi, de toute manière, je vote. Comme le vote blanc n'est pas représenté, ne pas voter, c'est ne pas exister dans la société. Je sais quel modèle de société j'ai pas envie d'avoir, et donc je sais que il y a des personnes qui vont dans la direction, il y a d'autres offres politiques qui vont dans une autre direction, même si c'est pas si éloigné. En tout cas, je pense qu'il faut voter voilà, pour quelque chose qui nous paraît le moins pire, quoi. Génération 2022, Manon Mella à la rencontre de la jeunesse, c'est sur France Info tous les jours à 12h55 et tous les vendredis avec nous désormais dans le 5 sur 5. Vous vouliez dire un mot, Jean-François Cam, sur l'école maternelle qui s'est appelée Samuel Paty. Simplement, il y a un certain nombre de gens qui sont morts pour leurs convictions religieuses. Et on en a fait des saints et c'est dans le calendrier. Ils ont des statues. Eh bien, faire en sorte que quelqu'un qui est mort pour la laïcité puisse sinon être un saint, alors qu'il le mériterait peut-être, être également célébré, je trouve ça formidable. On va parler d'avion à présent dans le 5 sur 5. L'Italie perd sa compagnie nationale. Alitalia, fleuron transalpin assommé par ses dettes, 74 ans d'histoire qui se termine par un vol Cagliari-Rome qui a atterri hier. Écoutez les adieux du commandant de bord. Sera l'addio dell'Alitalia concederà anche col mio ultimo volo con la coda tricolore che ho portato con orgoglio, grande orgoglio nei cieli di mezzo mondo. Quindi adesso rilassatevi, godetevi questo volo storico. Tenetevi da parte la carta d'imbarco che comunque resterà un piccolo pezzo di storia dell'aviazione italiana. All'arrivo sarò sulla porta per salutarvi e ringraziarvi uno a uno, come sempre. Grazie. L'émotion du commandant, du pilote de ce dernier vol, raconté aussi par la télévision italienne, bien sûr. Imaginez qu'on vous annonce la fin d'Air France. Écoutez ses réactions d'italien. Si vede che è un uomo che vola con passione e spero che possa volare e accompagnare altri passeggeri sotto un'altra bandiera. Io sono venuto apposta per essere presente all'ultimo volo di una compagnia che ho nel cuore. Sono molto emozionata e penso a quanto sono stata felice e onorata di poter indossare la divisa all'Italia. Mio padre prese uno dei primi voli per Cagliari, io prendo l'ultimo, mi sembra quasi un... chiudere una storia. Alitalia, c'était la compagnie italienne, mais pas seulement, c'était aussi la compagnie du Vatican depuis Paul VI en 1964. Écoutez, regardez ses cours, le pape a fait ses adieux à Alitalia. This flight is tainted with sadness because Alitalia was close to our hearts. Le pape François, lors de son dernier voyage, j'ai prévenu que c'était court, c'était il y a à peu près un mois justement, lors de son dernier voyage, c'était en Slovaquie de mémoire. Ita, c'est une nouvelle compagnie financée par l'État qui a racheté la marque Alitalia et le site internet pour 90 millions d'euros seulement. Après l'aérien, on passe au spatial. Le prince William qui veut freiner la course aux étoiles. L'héritier de la couronne d'Angleterre a accordé une interview à la BBC à l'approche de la prochaine COP qui débute à Glasgow dans deux semaines. Et à cette occasion, il s'est adressé aux milliardaires qui investissent dans le tourisme spatial, les Jeff Bezos, les Richard Branson, Elon Musk. Avant de chercher à explorer l'espace, dit-il, et à exploiter cette nouvelle forme de tourisme, il leur demande de s'occuper de notre planète. For me particularly, the idea that this space race is on at the moment, we've seen everyone trying to get space tourism going, it's the idea that we need some of the world's greatest brains and minds fixed on trying to repair this planet, not trying to find the next place to go and live. And I think that ultimately is what sold it for me, is that really is quite crucial. We need to be focusing on this one rather than giving up and heading out into space to try and think of solutions for the future. Critique du prince William qui arrive quelques jours après le vol de Blue Origin, la fusée de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, dans laquelle on trouvait le Captain Kirk. Je sais que Bertrand Chameroy vous en a parlé. Le plus vieil homme à voyager dans l'espace, le comédien William Shatner, a 90 ans. Vous partez dans l'espace, Jean-François Kahn, si on vous invite? Je sais pas. Pas envie? Ah oui, c'est pas un non. C'est pas un non. Non, c'est un je sais pas peut-être. Ça doit être merveilleux. Alors, puisqu'on parle de l'espace et de culture pop des années 70, j'étais sur Star Trek. Un retour ce soir. Goldorak fête ses 45 ans avec un album, une BD. Ce sont 5 auteurs français qui ont écrit les suites des aventures du héros des années 70-80. Des fans qui ont eu l'accord du créateur de Goldorak, le japonais Go Nagai.
On reste dans l'espace avec un retour à la réalité. Écoutez bien cette histoire. Une Canadienne qui a eu chaud. Elle a été réveillée par un énorme bruit en pleine nuit. Son plafond était percé. Une météorite a atterri chez elle. Et vous le voyez à l'écran, ce caillou de l'espace est venu se poser à quelques centimètres de sa tête dans son lit. Aucune blessure. On parle pourtant d'une météorite de la taille d'un melon. Sachez-le, hein, puisqu'un professeur américain d'une université de Louisiane a fait le calcul. Nous avons une chance sur 1 600 000 de recevoir une météorite sur la tête. On a plus de chances de gagner au loto. Elle joue, ouais. Elle aurait dû jouer au loto, ouais. Je crois qu'on a... J'ai un doute. Je crois qu'on a moins de chances de gagner à l'euro million que de recevoir une météorite. Ah bon ? Non, décidément. Exact, les statistiques sont formelles. Les statistiques sont formelles, j'en forme. Bah dis donc. Dans le Parisien, j'ai vu une sur 139 millions. Oui. Parisien qui nous expliquait ce matin comment cocher nos grilles. Oui. Ah oui. Et il ne nous disait pas comment échapper une météorite. Le numéro pas joué. Le Pérou champion du monde de ballon de baudruche. Vous connaissez la Balloon World Cup ? Non. Ah non. Alors moi, je l'avoue, j'ai découvert aussi l'existence de ce sport ce matin. Mais je vais tous nous inscrire rapidement pour les prochaines compétitions. C'est Gérard Piqué, le footballeur de Barcelone, monsieur Shakira. C'est Gérard Piqué qui a lancé cette compétition. Le but est simple. Vous tapez dans un ballon de baudruche et votre adversaire doit le renvoyer avant qu'il ne touche le sol. Pour vous aider à comprendre, voilà la balle de match, le point gagnant, les dernières secondes de la finale Pérou-Allemagne. 5, 4, 3, 2, 1, Pérou, campeona del mundo! Muerto Francesco de la Cruz! 8 millions de spectateurs sur Twitch pour cette finale. 32 pays ont participé. La France a perdu au premier tour et je vous propose de nous y mettre du coup. Allez, Patrick, réflexe. Oh, alors, donc, l'idée, c'est que ça tombe pas. Que ça touche le sol. Ah, ben, Jean-François, Jean-François, voilà, Mario. Pas bête un peu quand même. Ça peut durer, ça peut durer longtemps. Hein. Ah, oh non. Ah si, on est sauvés. Et je smash. Bon. Voilà, je crois qu'on a quelques gifs pour l'année. Oui. Ok. Bon, facile. Oh. Attention, non mais on ne veut pas perdre, vas-y, enchaîne, on ne veut pas perdre. Oh, il y a une tête. Allez, on arrête là, non. Je m'avoue vaincu. Non, mais je termine quand même cette page sport bien fournie, ah, oui. Du 5 sur 5, avec la météo. Evine. Eh oui, bonsoir à tous. Eh bien, figurez-vous que vous êtes bien sur France 5 et non pas sur TF1. Vous me faites faire de la concurrence quand même, parce que c'est juste l'heure à laquelle il y a aussi la météo sur TF1. Alors, je suis sur le fond vert. Je vais peut-être voir la carte que voici. Alors, comme je suis un petit peu myope, j'ai du mal à voir parce que l'écran est très, très loin. Ah, c'est vrai qu'il est beaucoup plus près d'ailleurs. Mais je vois du jaune, du soleil, Evelyne. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura du soleil pendant le week-end. Ah ouais. Demain, un petit peu de grisaille, de nuages bas sur le nord-est, mais ça va s'arranger. Avec, dans l'ensemble, beaucoup de soleil. Voilà, je le vois un petit peu mieux de côté. Bon, c'est pas mal quand même. Donc, vous voyez en tout cas que le week-end sera pas mal du tout, surtout demain, avec des températures bien agréables, 22 degrés, par exemple, du côté de Perpignan ou d'Ajaccio. Et puis, si nous passons à la journée de dimanche, ce qui va se passer, c'est qu'une perturbation... 30 secondes, Evelyne. Essaye d'arriver. 30 secondes. Essaye d'arriver. C'est pas mal, hein, 30 secondes. Des fois, c'est plus que d'habitude. Donc, une perturbation, vous disais-je, essaye de passer. Elle arrive par l'ouest avec 2-3 gouttes sur la Bretagne. Ça, c'est quand même très pessimiste parce qu'à l'avant, vous aurez simplement quelques petits nuages, des nuages bas sur le nord-est, mais beaucoup de soleil dans les régions centrales. La classe, Evelyne Delia est sur France 5, c'est le transfert de l'année. Merci Evelyne, on vous a, on vous garde, puisque vous dînez avec nous jusqu'à 20h50. Merci Jean-François Kahn. Merci Jean-Alphonse Richard. A tout de suite avec Chloé Navédian aussi et Marie-Pierre Planchon, la légende de la météo marine. A tout de suite pour le dîner du vendredi.